messieurs et dames, bonsoir. Merci d'écouter la radio. Vous écoutez la 88.4 FM, c'est Royal, votre radio, la radio des auditeurs. Comme tous les mardis, on se retrouve pour parler livres, pour parler littérature. Et ce soir encore, comme tous les soirs d'ailleurs, les mardis, nous avons un auteur qui nous présente son livre. Aujourd'hui, nous accueillons pour votre plaisir Odile Ariane Payalanga. Il faut dire qu'elle était déjà passée ici une fois. Mais elle a une nouvelle parution sur le marché. Et je vous assure, ce sera un véritable bonheur de partager sur cette nouvelle production et parution parce que ces nouvelles qui sont inscrites, parce que c'est un recueil de nouvelles, les nouvelles qui sont inscrites dans ce livre-là sont très intéressantes, il faut le dire. Je vous propose donc de rester et surtout de participer, hein, qui sait très bien, en regardant soit par Facebook, il faut le dire, on peut nous avoir sur Royal FM Espace Cameroun. Le roi Salomon est à la mise en nom de coordination centrale Roger Kiek de Kiki. Supervision générale Emmanuel Noël Bissaï. Présentation, je suis Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Chaque semaine, un rendez-vous. Le Point littéraire, mardi. 21h, 22h. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 60 minutes, un livre est mis en lumière à l'effet de décrypter son contenu, en compagnie de l'auteur ainsi qu'un critique littéraire, expert ou simple lecteur. Le Point littéraire, c'est avec plusieurs rubriques qui passent en revue l'histoire de la littérature et les classiques littéraires. Le Point littéraire, c'est à suivre tous les mardis, 21h, 22h. Une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Et en guise de première de couverture, quelques informations sur l'auteur et surtout sur le livre. Une affaire de Annie-Lisette Ambassa. L'entrejeu domino est le sixième livre écrit par Odile Ariane Payalanga. L'ouvrage de 218 pages pour 10 nouvelles est publié aux éditions du Net et paru en août 2017. L'entrejeu domino est un livre dramatique se rapprochant aux faits de société. C'est un recueil d'histoires entrecoupées d'espoir et de décadence au fur et à mesure que l'on découvre les personnages. En parcourant cette production, le lecteur s'imprègne de plus d'émotions perceptibles afin de lui permettre de se faire une idée de la société qui nous entoure. L'ouvrage est de couleur blanche. La première des couvertures présente une espèce de figurine multicolore, pas facile à déterminer. Écrivaine camerounaise, Odile Ariane Payalanga est auteure de 5 autres livres depuis 2014, avec toujours cette aisance littéraire qu'elle a dans ses écrits. Très active dans le social et l'humanitaire, Odile Payalanga pratique parallèlement le web journalisme. Ce dernier né de sa production livresque est encore, selon l'éditeur, une de ses œuvres qui fera de la lecture cette évasion spirituelle dont la littérature détient les secrets. 5, 4, 3, 2, t'es tombé du ciel, on a cru voir
Accueillons à présent l'auteur Odile Ariane Payalanga qui est avec nous. Bonsoir Odile Ariane. Oh, bonsoir Jean-Jacques Foucault, bonsoir aux auditeurs et puis bonsoir à tout le monde en studio. C'est toujours un plaisir de partager justement ces instants de bonheur avec vous et puis j'espère qu'aujourd'hui on pourra essayer de dérouler justement cette frange de cette littérature que j'essaie toujours de produire. Il faut dire que on a su vous décrire à travers la première de couverture. Vous êtes écrivain, il faut le dire, mais vous préférez écrivaine. Parce qu'aujourd'hui, on va dans la féminisation de tous les termes. Et donc, écrivaine. Ça oui, fait plusieurs parutions quand même. Oui, plusieurs parutions. Vous savez, j'adore la littérature. C'est pas moi qui évolue, c'est ma passion. Et puis, pour être heureux, des fois, il faut des fois vivre de ses passions. Alors, j'essaie de vivre ma passion à travers la littérature. Mmh. Mmh. Et donc, on est au quantième. Nous en sommes au sixième. Sixième oui. Livre. Mmh. Alors, la particularité de ce livre que nous tenons entre les mains, il est sorti quand précisément? Parce qu'il est tout frais, tout neuf. Oui, en 2018, toujours pour le même concours. Je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Justement, il y a un concours où j'aime bien participer. Juste comme ça, je me dis, tiens, pourquoi pas s'essayer tout le temps. Oui. Voilà. L'entrejeu domino. Mmh. On ne prononce pas le S de la fin. En fait, quand j'écris, j'aime bien laisser l'opportunité à tous les lecteurs, aux lecteurs de pouvoir deviner ou bien de dire, de prononcer comme ils veulent. Moi, je dis l'entrejeu domino, parce que quand j'ai l'entrejeu domino, pour moi, ça sonne un peu bizarre, mais je pense déjà que l'auteur peut prononcer, le lecteur peut prononcer autant qu'il voudra. L'essentiel est que le message passe. J'ai un recueil de 10 nouvelles qui se retrouve dans ces nouvelles et puis... comme on dit, on va en parler durant toute l'émission. Quoi. On était un peu inquiet parce que le titre du livre ne nous laisse pas entrevoir de quoi il sera forcément question dans le livre. Mmh. On est plutôt intrigué, on se demande de quoi est-ce que le livre finalement va parler. Il y a également la petite photo, je ne sais pas si on peut parler de photo, mais il y a cette petite image qu'on peut voir. On peut voir le vert, on voit le rouge, on voit le jaune. On se pose bien, est-ce qu'il y a une signification particulière qui colle à l'image qui est présentée en première de couverture? Oui, en fait, ça vient de mon imagination. Et puis, j'ai un ami peintre avec lequel je collabore beaucoup. Je lui ai fait part justement du fait que j'aimerais avoir une couverture de livre assez représentative. Il m'a dit, bah, tiens, tu vas parler de quoi dans ton livre? J'ai essayé de lui expliquer. Il m'a fait trois peintures. Il a dit, choisis celle qui te plaira, celle qui t'inspire le plus. Et c'était celle-là qui m'a le plus inspiré concernant justement ces 10 nouvelles. Alors, le livre, c'est un recueil de plusieurs nouvelles. 10 nouvelles. 10 nouvelles exactement. Oui. Est-ce qu'il y a une relation particulière entre toutes les nouvelles ou bien c'est, on sait bien qu'à la dernière partie, il y a un ordre préétabli qui a ces 3 nouvelles qui sont plus ou moins rattachées. S'il fallait nous parler des 3 dernières nouvelles, de quoi il est question fondamentalement? Des 3 dernières nouvelles, comme vous l'avez dit, c'est un ordre préétabli. Je veux dire, par exemple, on a une famille qui est censée être une famille normale où on a 3 enfants. Et puis, justement, il arrive que par les aléas de la société, chacun des 3 enfants vit des aventures au-delà des espérances de leurs parents. Mmh. Et c'est comme ça que je fais travailler la trame de mes émotions et de mes pensées à travers la société. Quelque part, vu qu'on écrit que ce qu'on connaît le mieux, une société qui se veut camerounaise ou bien africaine, déjà en travaillant sur les mots qui mine la société et déjà avec les fréquentations et puis avec le milieu de vie dans lequel on se trouve. Il s'agit dans la situation d'une famille, une situation assez complexe qui est quand même évoquée. Il y a 3 enfants, il y a 2 garçons, une fille. C'est une famille où l'histoire n'est pas de tout repos. Il y a au départ une famille qui est plutôt dans la stabilité, on peut le dire ainsi. Et puis plus tard, on comprend quand même qu'il y a quelques soucis avec les enfants. Le premier qui est plutôt dans son coin à lui, il est dans ses réalités. Et puis il y a le dernier qui semble perdre la tête à un certain moment. C'est une histoire de famille très complexe qu'on rencontre au quotidien quand même. Oui, on la rencontre au quotidien. La seule différence ici dans cette histoire, dans chacune des nouvelles, est que il y a des enfants, des parents qui ont des préférences pour des enfants. C'était justement pour essayer de démontrer que dans une famille, il ne faudrait pas montrer qu'on a des préférences pour certains enfants. Pour un enfant ou un autre. Voilà, justement. Et puis, on a toujours des attentes face à ces enfants, surtout ceux pour lesquels on a beaucoup le plus d'attention. Et puis, la vie, des fois, nous dicte une autre loi et dit, tiens, voilà,
ce que vous attendez, c'est pas ce que vous allez recevoir. Mais c'est difficile d'avoir ou de ressentir le même amour pour l'ensemble de ses enfants. Il y a toujours quelques particularités. On aime un enfant peut-être parce qu'il fait ci et l'autre parce qu'il fait ça. C'est difficile d'avoir le même amour pour tous les enfants dans une même famille. C'est une équation assez compliquée pour les parents. Oui, c'est vrai quand même qu'on aime ses enfants d'une certaine manière vis-à-vis justement des relations qu'on a avec ses enfants. Mais je pense déjà que le fait que le parent déjà, il montre déjà qu'il a une préférence pour l'un ou l'autre, ça crée déjà des dissensions. Et justement, quand il y a des dissensions entre les enfants, malgré qu'ils soient des frères, ça peut amener la haine et puis quelques petits problèmes déjà de partage, d'accompagnement, déjà sur le même profil, même psychologique, parce que même ce n'est pas seulement un seul problème d'appartenance ou bien d'aînesse ou bien, je ne sais pas moi, beaucoup plus d'attentisme. Mais je me dis quelque part aussi, ça crée déjà même des dissensions entre les enfants et c'est ça qui devient un peu dangereux. C'est une question dans la famille que vous évoquez. Ce n'est pas seulement dans les livres qu'on peut retrouver cette situation. Le message que vous essayez de passer à travers ces trois nouvelles qui présentent des situations assez complexes. Le message, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement retenir ? Oh, il faut retenir que la vie a toujours ses hauts et ses bas et puis la vie a ses revers. Des fois on se dit tiens voilà, on a une lignée qu'on doit suivre, il y a un état d'esprit dans lequel on doit évoluer parce que la société nous l'impose. Comme je dirais par exemple, tu es un enfant, tu es un adolescent, tu grandis, tu vas à l'école, tu te maries. Mais des fois la société dit non, en fait, c'est pas ça. La providence dit non, ce que tu as voulu faire, non, c'est pas ça que j'ai décidé pour toi. La nature décide autrement. Donc il faudrait s'accommoder déjà avec le rythme de vie que nous impose la nature et puis la providence. Et puis essayer de revoir la manière dont certains parents essayent de démontrer leur amour vis-à-vis de leurs enfants en faisant des séparations. Je me dis quelque part, c'est aussi le problème pour lequel... J'ai beaucoup plus tablé parce que je me suis dit, tiens, vu que j'ai déjà rencontré ce genre de problème, pas personnellement, mais dans certaines familles, je l'ai vu, où des parents préfèrent d'autres enfants à certains. Et moi, j'ai trouvé ça un peu nul, ça m'a un peu justement interpellé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faudrait en parler en essayant de, bon, comme je suis quand même créatrice, de créer une histoire tout autour, mais de le montrer de manière subtile, quoi. Donc c'est un peu un clin d'œil justement aux parents, même aux amis, pas forcément seulement les parents. Tu peux avoir deux, trois amis, vous êtes une bande. Et puis tu aimes plus l'autre et puis certains remarquent et puis ça devient des problèmes. Et l'hypocrisie naît, mais je dis, on reste dans le contexte familial, certains parents ne devraient pas le faire. Voilà, il faut aimer tous ses enfants. Oui, avec une certaine parité, partialité, une certaine subtilité. Vu quand on est parent, on a une responsabilité à pouvoir tenir, à devoir garder face à ses enfants. Il ne faut jamais montrer une faiblesse. Quand tu montres cette faiblesse, justement, c'est ça qui amène les enfants justement à se départager et puis se perdre dans des idéaux quelque peu un peu désuets. On se dit, tiens, si on n'est pas aimé par ses parents, on va trouver l'attention peut-être ailleurs dans la rue ou bien avec des amis. Et c'est ce qui amène la mauvaise fréquentation. Tout à fait. Voilà. L'inattention parfois des parents amène à chercher cette attention-là ailleurs. Ouais. Qui parfois n'est pas la bonne aussi. Hein. Oui, oui. Et même à l'intérieur, dans cette nouvelle, on a d'autres enseignements également qu'il faut... absolument cerner une relation amicale, un meilleur ami qui arrive à se retrouver dans une situation assez compliquée. Il y a également un enfant qui s'en va désormais loin des siens parce qu'il est détourné à travers les comportements et tout. Donc c'est quand même une histoire plus ou moins intéressante. Mais il y a une nouvelle particulièrement qui marque lorsqu'on lit votre ouvrage. L'histoire ou la nouvelle qui parle d'une dame qui s'occupe d'autres dames, mais qui souffre dans son être. Et c'est une réalité puisque plusieurs femmes aujourd'hui sont obligées de faire la bonne figure, la figure fière, mais dans leur fort intérieur, c'est la souffrance, c'est la difficulté parce que on peut aider les autres, mais à la maison, ça ne va pas. Voilà une nouvelle quand même qui nous a marqué. L'histoire autour de cette nouvelle-là. Oui, le parrainage bafoué. En fait, c'est quoi ? C'est une dame, en fait, qui justement prend à partie son temps libre et qui justement lutte pour une cause extérieure, pour justement contre les femmes, les violences faites aux femmes. Oui. Voilà, elle s'engage tellement qu'elle devient même la marraine de pratiquement toutes ces femmes qui viennent à l'association pour laquelle elle travaille. Et puis, à un moment donné, elle cache un peu elle-même sa vie privée qui n'est pas de tout repos. Oui. Effectivement, le fait qu'elle soit cette marraine
pour ces femmes justement en déphasage avec la société cache justement une vie qu'elle ne veut pas démontrer. En fait, elle essaye de se prouver quelque chose en travaillant pour l'association durement et puis elle se dit tiens voilà, je travaille pour ça, au moins ça me guérit un peu de ce que je vis au quotidien chez moi à la maison que personne ne connaît à part moi et peut-être mon mari, mon conjoint. Elle est une épaule pour les autres femmes, mais, oui, mais malheureusement, il n'y a personne. Elle n'a personne pour l'aider parce qu'elle doit être une femme forte. Parce que quand tu aides les autres, il faut être fort. Si tu es faible, tu ne peux pas aider les autres. Donc elle se doit d'être forte tout en essayant d'aider les autres sans pour autant penser à elle-même. Pourtant, elle vit une souffrance autant que celle chez qui elle vient en aide. Une femme battue, une femme malmenée, maltraitée par son mari qui lui demande de partir. Une autre femme, toujours la même, qui assiste les autres. Mais cette femme-là n'a pas d'enfant et donc ça fait objet de raillerie, même venant de la part de son mari qui balance à la figure son incapacité à pouvoir donner un héritier. Oui. C'est une réalité qu'on vit. Il faut dire peut-être que vous essayez de coller le plus possible aux réalités contemporaines actuelles. C'est pas une histoire quand même que... Non, c'est pas une histoire. Ah, vous savez, moi, je suis dramaturge. Moi, je travaille dans le drame et puis l'effet de société. Donc, en fait, même quand j'écris une histoire, je pense à cette histoire même pendant 5-6 mois. Je me dis, quel est le message que je vais vouloir faire passer? Je n'écris pas pour moi. J'écris pour éclairer la société, pour démontrer, justement, et puis essayer d'aider les populations, d'aider ceux qui souffrent, d'aider certaines personnes qui n'ont pas de repères dans la vie. Et déjà, c'est un gros travail déjà que je fais. J'essaie de voir en quelle mesure, quelle est la mentalité, parce que moi, je théorise mes personnages. Quelle est la mentalité? Parce que quand je crée un personnage, ce n'est pas moi qui le crée, c'est ma créativité qui vient justement le mettre en avant. Oui. La mettre en avant. Et justement, je crée un personnage pour essayer d'éclairer la société et de démontrer, tiens, voilà, quelle est la souffrance que peut ressentir une femme justement mariée qui a vécu autant de souffrances mais qui est toujours aussi forte. Parce que c'est rare de voir des femmes qui souffrent autant et qui sont autant fortes. Ça, c'est une façon, une manière aussi de donner de l'espoir, parce que dans ce message aussi, il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce qu'à la fin de la nouvelle, je crois, elle prend un flyers, elle ouvre, elle lit d'abord un poème, je crois que vous avez oui. lu le poème. Oui. Elle lit le poème justement qui essaye d'interpréter un peu ce qu'elle vit au quotidien. Et puis elle prend un flyers qu'elle a l'habitude de distribuer, elle se dit tiens, oui. c'est mon tour maintenant. Parce que ça démontre déjà qu'à la fin de la nouvelle, elle a finalement ouvert les yeux, elle s'est dit stop, ça suffit aujourd'hui. Elle prend conscience que le problème est réel. Ça est réel. Et puis si elle laisse le problème toujours enfermé, ça peut jouer sur sa vie, elle pourra y passer. Voilà, c'est un peu ça quoi. Une histoire qui peut être triste, mais qui est riche en enseignements, espoir ouais. et surtout ne jamais baisser les bras. Mais également reconnaître qu'on a parfois des problèmes afin de trouver des solutions qui vont nous soulager. On m'a dit pose-toi les bonnes questions. On m'a dit derrière le meilleur se cache souvent le pire. Moi j'ai répondu hors de question. Elle est la seule qui dans le noir sait comment me faire rire. Faut parler sans savoir à qui je n'ai pas besoin de confort. J'ai banni chacun de vos avis. Je vois plus de fautes. Elle m'appelle déjà mon mari. J'ai déjà payé la dot. Je sais pas peur du voir, chérie. Je suis là, c'est bon, repose-toi. Ouais, ils ont parlé de nous. Il a trop parlé de nous. Ils ont nourri le doute en moi. Ouais, on s'était parlé. 10 nouvelles pour vous faire plaisir, pour également extraire des enseignements à l'intérieur, pour son 6e livre, Odile Pahaï. Voilà, cette fois-ci Odile Ariane Pahaï Langa. Pahaï Langa, d'accord. Voilà. Odile Ariane Pahaï Langa. Langa voilà. D'accord. Cette fois-ci, j'y arrive. Voici l'histoire. En fait, le livre démarre directement par une nouvelle qui parle d'une histoire d'amour assez complexe. Il est difficile même de... C'est juste à la fin, peut-être la dernière phrase, qu'on peut voir qu'il y a une femme qui aime et qui n'arrive pas à exprimer son amour ou alors à vivre de manière épanouie cette réalité-là. Et pourquoi on se pose du coup la question, pourquoi? Parce que pourquoi la nouvelle n'est pas plus explicite? Pourquoi elle ne nous amène pas véritablement? À peine on commence à découvrir l'histoire, qu'elle est tout de suite terminée. Pourquoi avoir joué sur la toute première nouvelle?
à la toute première nouvelle. La toute première nouvelle, en fait, vous savez, les nouvelles, en fait, elles peuvent mettre une seule page, deux pages. Ce n'est pas la longueur de la nouvelle qui fait la nouvelle. En fait, c'est le message qui est véhiculé. La première nouvelle, par exemple, je parle de racisme. Oui. Justement, c'est une manière de, un peu, comment on dit, poétique de parler de... du racisme, de la xénophobie et de l'amour justement entre deux personnes, notamment un noir et une blanche, un blanc et une noire. Oui. En fait, je me dis, nous sommes actuellement dans l'intermondialisme, justement dans le partage, dans la multiculturalité à outrance. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est aussi, ça peut arriver que deux personnes puissent s'aimer et qui ne sont pas de la même culture, de la même race. Je me dis, il faut enlever ces préjugés déjà. Et le côté aussi malsain, c'est le fait de pouvoir avoir un homme de couleur. D'habitude, on dit homme de couleur chez les Noirs, un homme de couleur blanche. Tout à fait. Sur qui on se dit, tiens, on va s'accrocher là-dessus, vu que ce sera la manne qui est tombée du ciel. C'est cette personne qui va changer la vie de toute une famille. J'essaie de démontrer que tous les Blancs ne sont pas forcément riches. Et puis, ce n'est pas la meilleure manière de vivre... d'aller vers certaines personnes et de dire tiens voilà il faudrait qu'on le dépouille, il soit notre pigeon. Et puis en fait le message est très long parce qu'il y a plusieurs problématiques qui entrent en jeu, qui sont évoquées. Il y a justement le tribalisme, l'amour, la xénophobie et il y a même la haine que j'essaye de démontrer d'une certaine manière parce qu'il y a le regard de l'autre, qu'est-ce qu'ils vont en penser, il y a l'envie, il y a tout ça. Alors, c'est une seule nouvelle qui comporte justement beaucoup de problématiques, mais qui n'est pas justement très longue, mais qui laisse à réflexion. Et c'est ce que j'aime justement en travaillant sur mes nouvelles, c'est de faire un papier qui va, un article, une nouvelle qui va laisser, qui va mener à réflexion. La réflexion que toi tu auras, peut-être c'est pas celle que le deuxième lecteur aura ou le troisième lecteur. Et juste, c'est justement ça l'écriture et la lecture, c'est ça la magie de l'écriture. Justement. Mais il faut dire que c'est dévoilé et puis chacun a le droit de se faire sa fin, un peu imaginer des hypothèses de sens après ce que cela deviendra. Donc c'est une nouvelle qui ouvre sur un débat très profond et vous l'avez dit, avec plusieurs thématiques qui sont évoquées. Maintenant, c'est vrai que tout à l'heure je vous ai dit la nouvelle qui m'a particulièrement marqué, mais... Pour vous, quelle est la nouvelle qui vous a pris le plus de temps et la nouvelle qui vous a amené à voyager lorsque vous l'écriviez? Je veux dire, les trois dernières en fait. Les trois dernières, celles par lesquelles on a commencé l'émission, justement, les trois dernières, j'ai beaucoup aimé. En fait, je l'écrivais avec une certaine ironie. En même temps, ça me faisait rire et j'écrivais. Et puis, il y a la nouvelle Dans la peau d'un autre. Oui. Oui, ça, j'ai beaucoup aimé parce que justement. Ça me faisait penser justement aux enfants un peu têtus, à qui on donne tout, malgré tout, on cède à tous leurs caprices, qui justement n'essayent pas de voir les réalités. Et puis, en une fraction de seconde, sa vie change, même dans un rêve. Et il se réveille, il se dit, tiens, il faut que je me relève, justement. Oui, oui. Parce que la vie n'est pas perdu dans ses... Il est perdu dans sa vie et puis il imagine, il rêve beaucoup. En ne pensant pas que la réalité est tout autre. Vu que son père a quatre femmes et sa maman est même la quatrième, justement, il ne s'en rend pas compte, il veut avoir la place des autres. Il est le fils qui doit recevoir les choses de ses aînés, voilà, il a l'impression de recevoir moins de considération. Moins de considération, alors il devient.